Bonjour, comment ça va? Que d'émotion pour vous voir, que d'émotion. Bonjour. Tellement heureux de vous voir. Comment ça va? Vous êtes bien fatigué. Hein. Ça va, je vais me changer les idées ici. Je suis content de vous revoir. Ouais. On nous a fait la surprise, on nous a fait languir. Il y a deux jours, on a eu la confirmation. Non, mais je ne savais pas. Ouais, non, mais, non, ça fait quand même plus que deux jours que je sais que je viens. Oui, mais qu'on nous l'a annoncé. Ah oui, ouais. Non, ça fait 10 jours qu'on sait que nos batteries sont fichues, qu'elles doivent être changées, que ça va prendre du temps et que j'ai le temps de venir ici. Et on peut en profiter. Et moi, je suis ravi d'être là. Comme à chaque fois. Ouais. Alors, votre événement, vous l'avez vécu de quelle façon? Ça a été une aventure absolument extraordinaire. Ça a été d'abord la traversée de l'Asie, ensuite la moitié du Pacifique, ça c'est André qui l'a faite. C'était non seulement des vols magnifiques, mais c'était des démonstrations vraiment convaincantes au niveau des énergies renouvelables, des technologies propres. C'était notre but, je crois que les médias l'ont bien compris, les pays dans lesquels on a atterri aussi. Et la diffusion d'images, pour nous, c'était merveilleux parce que quotidiennement, on pouvait s'abreuver de toutes les émotions, de vivre de loin. Non, mais le but, c'est de faire partager toute cette aventure. Donc, c'est vrai qu'on a des caméras dans l'avion, à l'extérieur de l'avion, au centre de contrôle mission à Monaco. On vous a suivi pas à pas. On a eu peur quelquefois. Ouais. Ben, ça recommencera à partir de fin avril prochain. Deuxième partie du Pacifique. Et la suite? Oui. Ouais, il y avait des belles scènes. Et beaux moments. Autant pour André que pour moi, on a vraiment vécu des moments intenses. Physiquement, vous aviez une longue préparation avant, ça on le sait. Oui, bon, ça fait 12 ans qu'on est là-dessus. Des entraînements sérieux. Oui. Et vous êtes content du résultat. Physiquement, vous avez bien... Oui, un petit peu déçu de ne pas avoir pu faire la deuxième partie du Pacifique dans la foulée. Parce que quand on est complètement prêt dans sa tête, c'est vrai que s'arrêter juste avant... Le décollage, c'est un peu dur. Vous êtes un homme universel maintenant. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à la légende. C'est mignon comme vous dites ça. Du patrimoine mondial. Et... c'est merveilleux. Ouais. Et de vous rencontrer, j'avais le pressentiment en arrivant que je vous verrai la première. Alors. Ah oui. Non mais vous verrez, il y aura des beaux moments aussi l'année prochaine. On en doute. Traverser la deuxième partie du Pacifique, l'Atlantique. On a beaucoup de gens qui nous disent, mais on est très content que vous ayez repoussé d'une année la deuxième partie parce que ça nous permet de la vivre plus longtemps. Ah ouais, c'est beau. Sinon, on serait fini maintenant. on peut le dire comme ça, c'est vrai. Ouais. Alors, félicitations pour Merci. Tout le bonheur que vous avez amené. Merci beaucoup. Ça nous donne beaucoup d'espoir dans votre projet et puis c'était magnifique. Merci. Les beaux beaucoup. Les beaux